Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça, Gaétan, Yasmine? Qui n'a pas chanté une chanson des Cowboys fringants, écouté une chanson des Cowboys fringants depuis 24 heures? Vraiment, concert d'éloges, de témoignages toute la journée. Et puis, vous allez voir, ça se poursuit ce soir, alors qu'il y a des veillées aux chandelles qui sont organisées dans plusieurs villes, entre autres du côté des Plaines d'Abraham, mais aussi à l'Assomption, où est mon collègue Kevin Crane des Marais. Pascal, on reviendra à vous un peu plus tard, mais Kevin, il y a vraiment énormément d'émotions sur la place principale, parce que quoi, il y a des centaines de personnes qui sont réunies pour honorer la mémoire du chanteur des Cowboys fringants. Emmanuel, on me disait qu'il y a près de 3000 personnes ici. Là. Le parc est rempli. Regardez ces images en direct. Le couvent de l'Angevin est fermé à la circulation. Les gens sont ici sur l'écran géant. Là, pour une photo de Carl Tremblay. Il y aura un discours dans quelques instants. On va chanter des chansons là, de 19h à 20h. Ce sera vraiment un beau moment ici sur place. Là. Et il y a même des terrasses ouvertes là, pour les gens qui vont vouloir discuter, de manger un bon repas. Il y a un feu à l'extérieur. Ici, on retrouve là, des gens de différentes générations. Je peux vous dire qu'il n'y a pas seulement des gens de l'Assomption. Et c'est important pour ces admirateurs d'être présents ce soir pour lui rendre hommage et aussi de se rassembler et de parler du groupe, de parler de Carl Tremblay. Ils ont tous une histoire à raconter sur ce chanteur qui a su les accompagner dans différentes épreuves de leur vie ou simplement dans des parties de Noël ou lors de la Saint-Jean-Baptiste. On peut entendre quelques personnes à qui j'ai parlé là, dans les dernières minutes. Ça représente une bonne partie de ma vie. Mes enfants ont chanté dès qu'ils étaient petites. Les premières chansons des Cowboys sont rendues les fans numéro un. Carl, on ne pouvait pas manquer cet événement-là. C'est une grande, grande tristesse qu'il ne soit plus avec nous. C'est quelqu'un d'humble. Il a tout le temps été les deux pieds sur la terre. C'était quelqu'un qu'on pouvait aller voir puis qui il prenait le temps de te parler, de te jaser. Vraiment, là, ça me surprend même pas. Tout l'amour qu'il y a ici ce soir-là. Pour moi, ce gars-là a donné toute l'équipe, mais là, c'est ce gars-là qui vient de partir. C'est un géant pour moi. Il a apporté beaucoup de Noël à plein de monde qui avait plein de tristesse, plein de questionnements. Je suis allée le voir en spectacle. Je suis âgée. Mais il faut à chaque génération qu'on ait des pieds qui nous retiennent, des attaches fortes. Et lui a été un bon représentant pour les Québécois. C'est un vide. C'est un géant. C'est dur de remplacer des géants. Ça ne se remplace pas. Son grand cœur, l'amour qu'il nous a apporté pour tous les Québécois, c'est sûr qu'on ne l'oubliera jamais. C'est un groupe que j'adorais. Je l'ai suivi à quelques reprises ici, à Québec, à quelques endroits. Puis j'ai tout le temps aimé ses chansons. Une des dernières que je chantais de l'Amérique, il m'a fait pleurer. À bête reprise.